Bien le bonjour les amis, je suis vraiment heureux de vous parler aujourd'hui. Nous sommes en face du cirque d'Archiane. Nous dégustons un petit repas des familles avec du bon pâté de la campagne de notre ami Jean-Noël. Heureusement que nous avons l'électricien et son scotch, nous avons réparé les lunettes de l'agriculteur. Ça, c'est bien. Par contre, moi je ne sers à rien, il n'y a pas de 3G. Alors là, c'est le bout du Glandas, le cirque d'Archiane, la bergerie des Jardins du Roi, et là, tout là-bas derrière, tout là-haut, 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 bien là-haut, bien bien haut, c'est le sommet du Tisserand. Et ça, c'est moi. T'as fini, Alexis, tes conneries, ouais? Ah, c'est pas mal aussi, hein. Par contre, il n'y a pas le bois. Et si tu veux dormir sur les arbres, compliqué là. C'est superbe. C'est vrai que regarde-moi ça, les oiseaux. T'as déjà tout préparé toi? Ouais, là on va être bien là. Notre petit nid douillet pour la nuit. J'ai plus envie de dormir dehors quand je vois ce nid douillet. Ah bah là franchement on est trop bien. Trop bien. Pas mal au dos pour quitter les grolles. Impeccable. Les dangers du Vercors en hiver. Vraiment être prudent et vérifier sur les cartes la présence des cialets. Parce que alors celui-là, il est vraiment putain de piégeux. Quoi. Alors regarde au bout de la corde, t'accroches la lampe et la vidéo. Attends, mets-toi de là, tu vois. Quand on voit l'épaisseur du pont de neige. Ouais. Mais ils avaient quand même fait un tas de cailloux là, tu vois. Alors maintenant on le saura, quand on a un tas de cailloux comme ça, faut se méfier. Là on voit bien. Regarde Jean-No parce que parce que là, t'es... Regarde, là on voit bien. Non, il y a de la roche. Il y a un putain de trou là. Je m'appelle Alex et je suis dans le Vercors. Attention, danger, épisode 2.
Ah ouais, non, mais il est balèze. Hein. Attends, mais il continue, non? Non. Non, il est arrêté là? Ah! Ah, quand même, il est pas beau. Ah ouais, c'est beau hein, quand même. T'as vu, il y a des algues au fond et tout. Non, ce n'est pas des algues, c'est des fougères. Il est super beau. Hein. T'es sûr, Alexis? Continue un petit peu. Alors, je m'appelle Alex. Et observance d'un ciel. Ah, c'est beau. Oh putain, qu'est-ce qu'on est con. Non, il est balèze. Alors, je m'appelle Alex. Sauvetage en dans le ciel de la fougère parce que Chouchou est tombé dedans. Vas-y, tombe toi. Ouais, je peux descendre hein, si tu veux. Mais il a l'air de s'arrêter là, ce con. Hein. Il est chaud. Il n'y en a pas plus, hein. Il n'y en a pas plus. Hein. Ah, c'est bon. Ouais, il n'est pas plus profond que ça. Hein. C'est joli, franchement. Ouais, c'est joli un ciel. Ouais. Je risque pas tomber dedans. Hein. Parce que là, on a vraiment l'air con.
bouffer les petits lardons grillés. Ah bah oui. Putain. Allez. Par contre, il faut qu'on trouve un système pour se mettre tous les trois. Mais je peux le mettre sur le barbecue là, je pense. Bah, bien sûr, bah, évidemment. La poêle. C'est vrai qu'on est bien là, mon tintin. En plus, ça en fume pas trop. Non. La cuisine d'hiver. Oh putain. Hein? Putain, on est bien là, mon tintin. Oh ben là, et comme ça là. Comme hein. Ça. Franchement, là, c'est le panard. Dis donc. Quoi? Ce bivouac alors, il est mieux ou il est moins bien que celui d'hier soir? Moi je dis vaut des points celui-là aussi. Hein. Il vaut des points, il vaut des points. Mais par contre, on est parti avec plus de déficit. L'autre, ouais. Il était plus facile à faire. Plus facile, mais là franchement, moi je dis, on est vraiment, 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 vraiment super bien. Mais après... Super bien. Parce que tu vois, on tourne pas en rond, quoi. On s'y colle. Hein. Non, c'est sûr, ouais. Petite poêle, j'en suis pas satisfait. Ça se cuit beaucoup, ça, les lardons, parce que moi j'ai pas l'habitude. Ah, si, si, quand même. Ouais, ouais, faut y cuire. Hein. Thierry, tu sais, il a prévu, il a vu tout il y a un jour. Je vais vous présenter la cuisine d'hiver V2. Il fait ça moins, vous embouche un coin. Il fait moins 15 et on est positif. Pas d'échec, je pas d'échec. En face du bivouac. Alors, bonne soirée les amis, en direct de TV Vercors sur la montagne du Pizot au pied du Vendard, et nous avons trouvé un sans-papier en train de passer la frontière. Du coup, on l'a embauché. Bonsoir les amis, c'est Alexis qui vous parle. Alors vous avez bien pensé à faire votre pissou avant de sortir, hein? Et toi mon Thierry, tu as bien pris du comburant pour dormir, hein? Tu as assez de calories, et toi mon Jean-No, est-ce que tu t'es lavé les mains après que t'es fait caca? Oui.